12 célibataires coupés du monde. Angela, Laurine, Julia, Félicien, Karine, Kamel, David, Leslie, Thomas, William, Sandra, Romain. Filmé dans un loft de 250 mètres carrés, 7 jours sur 7, par 27 caméras et 50 micros. Dans 6 semaines, ils ne seront plus que deux. Quel sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Love Story. Vous l'avez certainement vu hier soir, Félicien, le dur au cœur tendre, a quitté le loft hier à 19h45. Il nous faisait part en direct de son désir d'arrêter l'aventure Love Story. Tout est bien qui finit bien. Le public a respecté le choix de Félicien et c'est sous une haie d'honneur de ses colocataires que la porte du loft s'est refermée derrière lui. Accueilli et acclamé par un public venu nombreux et par 60 de ses camarades de la Peña Cum Cum, Félicien nous a offert une sortie triomphale. J'en profite d'ailleurs pour vous donner les résultats exacts de vos votes. C'était extrêmement serré. Cela s'est joué à quelques voix près. Félicien a obtenu 24,37%, Kamel 24,95%, Romain 24,77% et David 25,91%. Mais avant cela, revenons sur la journée d'hier. Après la soirée d'anniversaire de Romain, la fête s'est poursuivie tard dans la nuit, laissant le loft sans dessus-dessous, dans un état proche du Massachusetts. Les lofteurs ont donc consacré hier la majeure partie de leur journée au ménage et à la remise en état de leur propriété. En l'honneur des 4 garçons nominés, les filles ont chacune rédigé un poème. Laurine en a d'ailleurs profité pour apporter un éclairage assez précis sur sa relation avec Romain. Peut-être de l'amour dans l'air. David et Kamel ont profité de cette journée ensoleillée pour évoquer les meilleurs souvenirs de ces 6 mètres de cohabitation. Et ce petit flashback est l'occasion pour eux de se déclarer leur profonde amitié. Quelle belle journée! Qu'est-ce qu'on fait, Orange? Non, non, vas-y, va faire ton sport. Non, non, faut qu'elle fasse aussi les filles. Attends, Sandra, putain, toujours nous, on va faire le ménage, ça va prendre l'habitude. Tout le monde va prendre l'habitude ici. Et tous les matins, personne va se lever. Ouais. Et nous, on va vouloir se lever pour être bien dans notre tête. Eh, mais ne fais rien. Non, mais je range juste ça, parce que si on les remange à midi, j'ai pas envie qu'il y ait plein de mouches dedans. Des mouches. On met tout là, Laurine fera le nettoyage. Je vais la chauffer au bon moment où elle va se lever. Tu vois, bien je dois faire la vaisselle. Parce que moi, on a fait tout hier, nous. Ouais. Alors moi, j'ai envie d'aller bronzer. On va aller bronzer un peu. Voilà ce qui t'attend. Mrs. Laurine, tiens le pain. Putain, c'est quoi ça, ça a quel coup? C'est très bon. Alors, chers habitants, ce soir, David, Félicien, Kamel et Romain sont nominés et l'un d'eux sortira du loft. Mais avant cela, le propriétaire vous propose de préparer une petite surprise pour que cette soirée soit inoubliable. Dans un premier temps, chacun d'entre vous vous tire au sort un papier...
dans chacun d'entre vous, vous tirez au sort dans un papier dans la corbeille. Dans un deuxième temps, chacune d'entre vous prépare un petit poème contenant des rimes à l'intention du garçon dont vous avez tiré le nom. Bon, allez, je commence. Bon, vas-y, vas-y. Ouais, mais tu commences bien, ouais. Vas-y, vas-y, commence. Ouais, ouais, je commence. Alors, lui, j'aime pas, lui. Vas-y, j'ouvre après, vas-y. Moi allez-y, aussi. Ouais. Allez. Laissez-moi le dernier. Tiens. Merci. Oh, elle aime pas ça. Oh non, moi, je peux pas. Oh, t'es destinée à en faire ça, toi. Ouais. T'as qui? Je peux pas faire semblant connaît. Devant tout le monde, là, devant mais un tu fais pas semblant. Tu fais un poème, qui dit ce que tu penses. C'est un poème, c'est tu dis ce que tu penses. Voilà. Moi, en fait, c'est pas un meilleur souvenir que j'ai, c'est plein. Et c'est à chaque fois quand on a fait les cons tous les deux. Ça, c'est des putains de souvenirs. Ça, j'ai rigolé aussi. Hein. T'en fais les cons tous les deux, là, quand tu m'énerves, quand tu m'irrites au maximum et que je te cours après, là. Ah, ça me fait rire. Ça me fait trop rire. Ça, c'est des bons instants, là, c'est vrai. Concours de jongle, ça, c'est des bons moments, ça, tu vois. Concours ouais, quand on était que tous les deux, là, jusqu'à 100. Ouais, ouais. Putain. Quand tu me cours après, à chaque fois, je te truc, quand tu m'as coursé avec le jet d'eau. Ouais. J'ai arrête, je t'ai balancé le truc et tout. On est des mômes, en fait, hein. On est des ouais, vrais enfants. Vrai. Hein. On est des vrais mômes. C'est ça que je disais hier, que Angela, quand on voit ça, elle me gêne parce que elle m'intimide. Parce qu'à chaque fois, elle fait ça, les yeux qui brillent, elle fait. Vous êtes infernal tous les deux, tu vois. Ça peut venir que du fond du cœur, tu vois. Quand je t'emmerde, que je te tire la barbe et tout. Si Kamel et moi on reste, à partir de demain, ou peut-être à partir de samedi, parce que ce soir on fera la fête, mais à partir de samedi, on va tous faire le ménage à fond de façon à ce que le loft soit tout le temps clean. Moi je vais aller demander une tondeuse aux confesses. On va tondre le jardin, on va tous s'occuper. Je préfère que tu dises à partir de samedi, ouais. Le loft il est clean, je suis super d'accord avec Watt. Mais c'est pas question de faire le boss, tu sais, comme il disait. Non, pas de boss, non. Voilà, attends. Tu sais à qui tu parles, là? Je sais, David. C'est moi, je fais pas le boss, moi. Hein. J'aurais pu faire le boss ici, je l'ai pas fait. Hein. Je pourrais dire ça même pour moi, tu vois, je me sens non, pas mais, fois d'appeler. Non, mais ce que je voulais dire, moi, c'est que, par exemple, Kamel et moi, on s'occupe tout le temps de l'extérieur. Tout le temps de l'extérieur. S'il faut, on fait les chambres aussi, c'est pas grave, tu vois. Mais Kamel et moi, on fait tout le temps l'extérieur et les chambres, si tu veux. Moi, j'aimerais bien que le loft soit tout en clean. Mais ça va être le cas. Quand il y a bordel, mais quand il y a clean, il y a clean. Ça va être le cas, tu vas voir. Oh putain! Ah, je me suis tué! Tu veux la bombe? Ou tu veux que je te donne des coups de pied? Oh, c'était bon! En fait, je vais m'en aller. T'as pas le droit? Comment ça, j'ai pas le droit? Tu t'en vas pas? Reste au moins pour défendre tes idées. Je veux dire, y a que ça à faire. C'est pas une démarche individuelle, c'est une démarche pour l'humanité. Et pour l'image qu'on donne, on n'est pas des blaireaux. Puis Laurine, elle dira peut-être oui un jour. Quel con. Elle craquera. Laisse-la tranquille. Ben, c'est moi, elle est concentrée. Quoi, ce regard là, haut. Regarde, qu'est-ce que t'en penses? C'est rigolo la fin. Mm-hmm. Regard fuyant, il est vrai que je te l'ai dit.
Oh, pourtant, toi ici, tu n'as jamais fui. Maintes fois, tout en jouant, tu nous as déjà... Tout en jouant, parce que le côté... Mm-hmm. Maintes fois, tout en jouant, tu nous as déjà prouvé à quel point tu n'étais fait que d'honnêteté. Inouï, le fait que j'ai résisté durant tous tes massages, n'as-tu pas compris que je souhaite rester sage par rapport à l'image que je me prête à quelqu'un. Ouais. Ça c'est va super mignon. C'est mignon. Ouais. N'as-tu pas compris, enfin, que je souhaite rester sage? Comment t'as bronzé? Ah ouais. À ton arrivée... Je me doutais que ça allait coller. Que ça pouvait... Ouais, est-ce que ça allait coller? Que ça pouvait coller ou que ça allait coller? Que ça allait coller. Je vais pas dire... Si je vais pas faire style la poétique... Ouais, voilà, exactement. Alors, dès ton arrivée... Non, à ton arrivée... À ton arrivée. Alors... À ton arrivée, je me doutais... Que ça allait coller. Ou tu peux aussi dire, j'ai tout de suite pensé que ça allait coller. Dès ton arrivée, je me doutais que à ça allait arrivée... coller. Non, parce que j'avais un doute quand même. Ah. J'avais un petit doute, je me disais, ouais... Donc que ça pouvait coller. Alors si t'avais un doute, tu dis que ça pouvait coller. Il y a des mouches, là. Alors, à ton arrivée, je me doutais que ça pouvait coller. Mm-hmm. Les jours ont passé... On passait ES ES. Les jours ont passé. On passait. Et tu es rentrée dans mon infinité. Non. Puis les jours ont passé et l'infinité s'est trouvée. Alors, tu peux pas dire ouais, ça. Plus les jours ont passé. Et plus. Il y a eu infinité. Plus les jours ont passé et il y a eu infinité. Plus il y a eu affinité. Plus les jours ont passé, plus il y a eu affinité. Ouais, c'est correct, hein, plus. Il y a c'est eu un superlatif. Affinité. Ça, c'est mon slip pour ce soir. Putain, je crois pas ma valise. Je prépare un truc pour Angela, je suis dégoûté. Comment? Non, je prépare un truc pour Angela et pour le chat nanette. Pour le Pride? Moi, toi, tu sais ce que je te dis? Toi, je peux t'offrir que mon cœur. C'est bon. Vraiment que mon amitié, que mon cœur. C'est suffisant, tu me l'as déjà donné. Je suis désolé. Hein. Je ne sais même pas te donner un truc, un t-shirt ou... Mais non, arrête. Besoin de rien. Jamais ça rentrera. Mais si. Mais non. Si, ça peut rentrer. Si. Mais à plat, faut pas plier, toi. T'as rien compris à l'histoire. Faut mettre à plat les vêtements. À plat. Regarde, moi je prends ça là, tu vois. Ça, je le plie pas en quatre. Je l'étale comme ça. Tu vois. Et là, t'as tout qui rentre. Ah, bah vas-y, fais-moi ma valise. Oui, d'accord, t'as vu, t'as qu'à croire. Tu sais pas mettre à plat comme ça, là? C'est pas compliqué, il dit, tu me vois faire. Je sais pas, David, putain. Tu sais pas mettre à plat? Prends pas pour un bouffon. À plat, c'est pas compliqué, à plat. Il suffit pas d'avoir Bac plus 10 hein, pour faire ça. Hein. Tu regardes, je prends un t-shirt et je le mets à plat. That's it. La 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 la. Mais bien sûr! Ah, mais bien sûr, il doit y avoir du gel. Oh putain! Ah, oh putain! Là!
je crois que Félicien avait quelque chose à nous annoncer ce soir en direct. Félicien Non, tout compte fait, je dis plus rien, j'ai plus rien à dire, franchement. Si, ouais, j'ai quelque chose à dire, de très important. Donc, tout ce qui se passe dans le loft, pour moi, c'est beau, c'est magnifique. Je suis arrivé à un stade où, pour moi, je n'ai plus rien à faire dans le loft. J'ai plus envie d'y être, parce que j'ai envie que tous ces gens-là qui sont ici présents continuent à vivre sans moi, car moi, je suis en train d'être au sommet pour moi de ce que je représente, et je sais qu'en restant plus ici, je vais nuire à mon image. Donc je veux que ce soir, que tous mes amis qui votent pour moi pour que je reste, eh bien, fassent l'inverse, viennent, arrêtent de voter, je veux les voir à la sortie, je veux une sortie triomphale ce soir, je veux qu'ils m'acclament, je veux qu'ils m'hurlent, je veux vraiment être le roi du monde ce soir du pétrole, et je veux partir. C'était un beau message. Super. Non. Très bien parlé, Félicien. C'est vrai. C'est très bien. Ouais. Pour moi, à mon goût, t'as très bien parlé. Mais reste tranquille, hein. Je veux être le roi du pétrole, je veux qu'on m'acclame. Mais non, mais je veux une sortie triomphale. Hein. Ça va marcher. Non. Toi aussi. Allez, viens ici, petit arabe. Oh, c'est de l'humour, là. Je peux le sortir, quand même. En fait, Angela, je peux vraiment pas te blairer. Quoi? Je peux pas te blairer. C'est bien. Alors, le soir de mon arrivée, tu ne m'as même pas calculé. Et pourtant, toi, Kamel et moi, on ne s'est pas couchés. Car après le... Ça commence bien, après hein, le dîner, les délires se sont enchaînés. Tes morning love du matin nous ont tous mis à bloc. Tes virées dans la piscine nous ont toutes fait floc. Toi, Félicien, le mastoc du loft, c'est sûr, tu nous as gonflés à bloc. Tu nous as aussi appris à compter avec tes nomis déjà calculés. En tout cas, Félicien, sache que j'ai aimé beaucoup de nos têtes à tête et beaucoup moins nos prises de tête. Conseil de Tiot Nénette, continue à faire la fête. Très beau ça. Très beau ça. Ah, bravo. À franchir cette porte. Ouais, c'est jamais de... Mais tu sais, ça va, hein? Tu sais, tu peux avoir des remords comme ça. Mais là, j'ai aucun remords. Car mais tout a été dit sur moi. Tu l'as bien entendu sur les poèmes. Qu'est-ce que tu veux changer? Vous me connaissez comme je veux me montrer ici. Je n'ai plus rien à faire. Pour moi, c'est tout gagné. Donc... On n'a plus rien à apprendre de toi, ça y est. Non, je veux dire, si, il y en a beau. Il y a, vous avez beaucoup c'est clair de choses. C'est clair qu'on ne collait jamais à sa personne. Non, mais vous avez beaucoup de choses à apprendre. Du vrai Félicien, mais l'image que je voulais passer ici, vous la connaissez, et ça me suffit. Je vais être jugé sur ça. Et dehors, vous connaîtrez autrement, mais il n'y aura pas des caméras. Et dehors, ça sera vraiment de homme à homme, ça sera une discussion sérieuse, ça sera le business. Bah, il faut un temps pour rire et un temps pour être sérieux. Romain, ça s'adresse à toi. Regard fuyant, il est vrai, je te l'ai dit. Oh, pourtant, ici, toi, tu n'avais jamais fui. Maintes fois, tu nous as déjà prouvé, tout en étant joueur, à quel point tu n'étais fait que d'honnêteté. Inouï le fait que j'ai pu résister durant tous tes massages. N'as-tu pas enfin compris que je souhaite rester sage? Dès ton arrivée, on me l'a pourtant dit, assez répété. Alors que certains utilisent pour charmer de la poudre, d'autres jettent des cœurs. Moi, de suite, je ne l'ai pas compris, pas écouté, mais aujourd'hui, je sais qu'avec toi, on va chercher bonheur. Embrassez-vous, embrassez-vous.
Ouais, non, c'est pas trop non plus. Hein. Pas si quoi. C'est joli, hein. T'es content, hein. Tu n'entends rien? Je mange les fraises. En avant! Allez. Allez! Romain, Romain, vous ne quittez pas le loft ce soir. Oh. Yes! Super. Y'a personne, c'est bon. Félicien, est-ce que vous voulez toujours quitter le loft ce soir? Tout seul. Tout seul, hein? Non, je promets, il y a les trois poules, vous je les confirmez, laisse. Vous confirmez votre souhait? Ouais, allez. Okay. Kamel, vous ne sortez pas ce soir? Oh là là! C'est bon, bouffe-moi pas la gueule. Et maintenant, la question est de savoir si vous non. allez sortir bon. Seul ou non, chut, je ne sais pas. C'est impossible. David, vous ne sortez pas oh ce soir? En conséquence, et tout est bien qui est fini bien, allez, Félicien, yes, le public a respecté votre choix. Bah écoute, hein. C'est que je voulais. Hein? Tu nous détestes? Il y a des connards quand même, d'accord? Je t'en avais dit. Qu'est-ce que je t'avais dit? Toi, maintenant. Mon bras. Mon bras. Ah, le pull. Tu vas. Tiens, c'est ça, moi. Au revoir. Bon courage. Que d'émotions. Après la pub, vous verrez l'ensemble des lofters offrir une sortie triomphale au digne représentant de la Peña Kumkum. A tout de suite. De retour sur le plateau de Love Story, Félicien vient juste d'entendre le verdict et cette fois-ci, les deux clans se sont unis pour lui réserver une sortie de chef. Félicien parti, l'euphorie de la sortie s'est vite estompée, les clans se sont immédiatement isolés et le désarroi s'est emparé des nouveaux orphelins du loft. Le groupe des Cousteau, heureusement, le sage du loft, alias David, décide d'unir les deux clans autour d'un dîner plutôt bon esprit. Regardez. Chopé, la concours. Arrêtez ce soir, le concours qui vous chope. Chopé, la concours. Arrêtez ce soir, le concours qui vous chope. Mangez les radis. Arrêtez ce soir. Ce n'est qu'un long revoir, mes frères. Ce n'est qu'un long revoir. Il est adulé. Je ne fais pas la chorégraphie, mon petit Benjamin. Ouvre. Ça va? Vas-y. On est tranquille, hein. Félicien, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Au sein du loft, c'était génial. Il me donnait des coups et tout, j'adore ça. Non, mais je plaisante, mais... je plaisante, hein, j'en veux pas la sortie, merci. Mais c'est vrai que, bon, c'est vraiment quelqu'un de vrai et vraiment, vraiment, il a un cœur énorme. Et donc, c'était quelqu'un qui va me manquer, évidemment.
même si c'était le choix de Félicien, même s'il a eu ce qu'il voulait, moi je suis triste parce que je l'aimais bien. Même s'il était méchant toute la journée avec moi, même s'il m'a empêché de dormir, même s'il m'a arraché mes cheveux, même si j'ai des bleus partout. Moi c'était ma grosse mascotte ici, Félicien. Oh, il y a même je vous le dis tout de suite, hein. De vous êtes d'accord ou pas, j'en ai rien à foutre. Mais ça me ferait plaisir que vous soyez d'accord. Je parle pas, je parle surtout pour toi, Thomas. Félicien était là, ouvrait sa gueule. Tu me vois ou pas? Non, mais parce que je sais pas. Ah. Félicien n'est plus là. Félicien ouvrait toujours sa gueule. Ouais. Donc je te préviens tout de suite. Je sais que toi, ta technique, c'est beaucoup de zapper et de ne rien dire. Ouais. Je refuse de m'inclure dans ça. Non, mais t'as le droit. Moi, hein. Tant que ça ne me plaît pas, mais tout le monde le saura. Mais oui. Et j'ai jamais Julia gueulé sans arrêt, oui, le voilà, Julia gueulé sans arrêt. Je m'en fous, hein. D'accord. Vous faites ce que vous voulez. Non, mais que tu m'élimines pas du clan A, B, quoi. Oh, mais elle est comme... C'est pas ce qu'elle me sort tout à l'heure. Elle me sort. Thomas, si Romain et Félicien partent, hein, j'aimerais que vous me chassiez pas ou un truc. Mais t'es parano. J'ai pas dit ça, j'ai dit, restez pas tous les deux. Ne me laissez pas toute seule. Non, attends. C'est bon, on n'est pas des groupes A. Après, il va falloir que je joue la falche auprès des autres. Salut! Finalement, je regrette, c'est tout! Oh, j'ai passé. Vous avez pas faim? C'est vrai? Ouais. Bah, plein saladier, mais bon. De toute façon, si vous avez faim, on le laisse et puis vous vous servez, quoi. De rien. C'est pour activer le bronzage de demain. Ouais. Mmh. Et David, tu as donné l'idée des carottes. Pas faire bronzer. Non, c'est pas c'est ça. Non, sérieux, en plus, c'est vrai. Non, en fait, c'est pas vas-y, chope pas l'oignon, là. En fait, c'est pas que ça fait bronzer, déjà. C'est que ça donne le teint bronzé. C'est ça? Ça fait bronzer. La quarantaine. Oh, que tu sais, comment tu bronzes? Elle est déjà noire. Oh, de quoi? Demain, poutine. Il reste pas du... Non, il y a du... Mes carottes râpées. Les œufs, si je dois manger des œufs, je prendrai que le blanc, comme tu m'as dit. Je fais un bon repas. Comme ça, je vais sortir. Regarde, oh. Bois, rouille. Malade. Moi, je te fais tout le régime que tu veux. Le matin, tu peux t'exploser le ventre. Tu vas voir. T'exploses le ventre. Tu vas voir, mon frère. Et en plus, c'est encore mieux si tu le fais à jeun. Si tu fais ton sport à jeun, moi, je dis en un mois, tu perds. En à jeun, je te dis, je vais perdre tout ça. 6-8 kilos. Arrête tes conneries, oh. Si tu fais ce que je te dis, hein. Mais voilà comment tu vas morfler. T'es proche, tu dis ça? T'es proche, tu dis ça? Voilà comment tu vas morfler. T'es proche, tu dis ça? Non, t'es proche, tu dis ça? Tout à l'heure, j'ai aimé la chemise. J'avais remarqué que j'étais gros. Des conneries. J'étais assis dans le truc, je me regardais. Oh, j'avais le ventre comme ça, la chemise, elle faisait une boule. Ouais, t'as grossi depuis. Jo, c'est quoi ça? Mais t'as vu les plâtrés que tu manges, mon frère? Ouais. Putain, tu fais 10 ou 15 kilos de moins que moi. Putain, gros visage. Tu manges des plâtrés comme as. Ouais, mais je l'ai dit au truc en montant. Je suis un gros morphal, moi. Mais je vais arrêter, tu vois. J'en ai marre de cette peine. Elle veut rester sage. Hein? Elle veut rester sage. Ouais, c'est vrai. Je suis déçu. C'est chiant, hein, putain. T'as un maximum un mois à tenir. Ouais, non, mais après, c'est pas la peine. Tu m'étonnes? Non, mais attends, mais lui, il a jusqu'à la fin, il est qu'à mi-parcours. T'as bien fait, finalement, de rentrer avec 15 jours de retard. C'est bien, je suis le dernier arrivé, mais je suis pas le premier parti. Moi j'ai vu personne tout le monde. Si, t'as vu plein de David. Ouais, que des hommes. Si, j'ai vu. Non, j'ai pas vu. T'as vu les seins de Laurine? J'ai vu un, ça. Ah oh, bah moi j'ai vu les deux à plusieurs fois. Puis quand t'en vois un, t'imagines l'autre. Ah hein. Oh, bah moi j'imagine même plus, ça j'ai toujours vu. Moi j'ai toujours vu. Mais j'ai adoré. Hein. Mais il est pas à moi, non, pas sûr. J'ai aimé le sein. Tu as aimé le sein? Caché ce sein que j'ai mis sur le cœur. J'ai aimé ses fesses, j'ai aimé ses mollets, ses pieds. C'est bon, là. Ses oreilles. Oh non, rajoute pas trop, là, c'est bon. Sa bouche. Félicien. Ah, ils l'ont bien trouvé, quand même, celui-là. Ah, ils l'ont bien trouvé. Ce mec-là. Parce que moi, tu vois, autant là, j'apprécie parce que c'est calme. Et que je sais que ça va être calme, j'apprécie grave. Hein.
c'est de ce côté-là que je suis content que tu sois parti. Mais de notre côté, ça fait un vide. Oh, putain. Comme quand Leslie elle est partie. Si toi, t'étais parti, ouais. Je pense que ça serait pareil, quoi. Mmh. Ben, c'est même pas pareil, ça serait pire. Pour toi, ouais. Ça serait ah, pour moi, ça serait pire. Mais ouais, mais c'est clair c'est que incroyable. Des gens comme Leslie. Mais tu sais quoi, c'est con, hein. Tu t'attaches aux gens en. En peu de temps ici. C'est grave. Attends, moi des fois je me dis, mais je suis mazo quoi. Le mec il m'envoie chier toute la journée, il me retourne la gueule, mais je l'aimais trop bien, Félicien. Oui, parce que lui, quand c'est il disait mon pote, quelque chose. Non, mais quand il disait quelque chose, fallait comprendre l'inverse. Bah, tu vois ça. Voilà quoi. Il disait, je t'aime pas, c'était l'inverse. Bah, ici on remarque, à part Sandra qui peut vraiment être très jolie en étant très maquillée. Ouais, je l'aime pas du tout, son physique. Non, moi non plus, c'est pas le style de fille qui me plaît, quoi. Bah, mais, moi, j'ai pas à dire. Elle est très laide, quoi, mais pas loin. Moi non plus, j'aime pas spécialement son physique, mais je reconnais que c'est une belle fille, tu vois. Faut le reconnaître, quoi. Bah non, pour moi, non. Oh, non, non, sérieusement, c'est pas une belle mais fille. Bon, elle, ma vision contre... des belles filles, c'est pas une belle fille. Mais par contre, moi, je suis surprise de voir à quel point, avec... pourtant, c'est pas qu'elle en met beaucoup, mais comme elle sait très bien l'utiliser, avec un maquillage, elle peut paraître très jolie, quoi. Mmh. Mais sinon, Angela, tu la vois le soir ou le matin, elle a la même tête, non, Karine, pareil. Non, mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas de surprise, quoi. De profil. Puis arrête de rentrer ton ventre. Quel homme qui vient de dire là. T'es vrai, il rentre son ventre et tout. Oh, oh là, c'est ma mère. Laisse. C'est moi. Oh, il y a un défaut sur le carreau. C'est bon, c'est bon, mais c'est bon, c'est ton Luc qui commence. C'est ton Luc qui commence. C'est ton Luc qui commence. Hé, Théma, il a un Luc, bon Luc doudou. C'est ton Luc qui. Non, c'est ça, y'a pas de défaut. Non, y'a pas de défaut, c'est ton Luc qui comme ça. Théma, mon gars. Ah ouais. Il y a un Luc de doudou. Les lofters qui partagent le même repas, voilà peut-être un début de réconciliation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez écouter tout ce qui se passe à l'intérieur du Love 24h sur 24, numéro qui s'affiche en bas de votre écran. On se retrouve demain à 19h. En attendant, on se quitte bien sûr avec le loft. Oh putain, on leur ouvre la porte Saint-Chopeux qui sortent. Ouais, ouais. Ma cocotte. Et les petites poules. Ma cocotte. Oh, ma cote, ma mère. Ma cote, ma cocotte. Cote bête. Vas-y, poulette, tu sors. Vas-y, poulette, tu sors, sors. Vas-y, poulette, tu sors. Vas-y, poulette, tu sors, sors. Vas-y, poulette. Mais comme ils ont rap. Cote bête. Vas-y, les poules, sortez. Vas-y, à vous, la liberté. Vas-y, les poules, sortez. Vas-y à vous la liberté, vas-y les poules sortez. Vas-y à vous la liberté, vas-y les poules sortez. Vas-y à vous la liberté. Oh putain, en train de foutre un bordel là. Hé hey Ils ont peur, peut-être. Oh, vous avez peur.